sûr, ça. Faut se calmer. Hein. J'ai peut-être mis trop d'eau. Non, ça va. C'est le chien. Il est en forme. Faut le dire à ce qu'il est. Hop, le stop vif. Voilà. Et le triple. On fait glisser. On plante. On essaie de faire ressortir la rampe de ce côté. Voilà, là ça sort. Hop. Ok, je vais faire le coup de ce tronc. Alors. Si ça se trouve, je vais même me mettre sur le relais. Car je vais être bien dans les arbres quand même. Et de même pour le retirer, ça va être un peu galère. Bon, on va pas se prendre la tête. Tac. Hop, ça ira très bien. Et là, pareil. Alors, on rentre. Tac. On fait quelques clés. Hop, et ça ira très bien. Tenez, je serre. Serre-toi. Au maximum. Voilà, parfait. Tac. Bon, ça tiendra, c'est parfait. Là, maintenant, je vais choisir la longueur à laquelle je vais pêcher. En l'occurrence, là, je vais pêcher un mètre plus loin que l'arbre qui touche l'eau. Car là sinon il n'y a pas de profondeur et après on tombe on pêche une zone à 2 mètres 10 de fond il me semble et je pêcherai à peu près 1m50 du fond. Là voilà le montage et les pêchants, donc vous pouvez le voir. On a un stop flotte, alors stop flotte c'est pas mal, mais quand vous pêchez au cassant, comme tout pêche en tension, il a parfois tendance à glisser. Donc moi ce que je fais, c'est comme le nœud ici, en fait, je viens coincer, faire un nœud coulant, donc tac. Où je passe un fil avec un nœud. Ou alors vous pouvez le faire une boule au briquet. Et tout ça, je viens le serrer. Voilà. Parfait. À l'endroit précis où je veux pêcher. Voilà. Donc là, c'est à peu près. Voilà. Regardez là, le stop. En soi, ça va permettre au montage que malgré. Regardez. Là, le stop, il est en train de glisser. Parce que c'est en tension, justement. Et là, il va glisser. Jusqu'à mon nœud. Voilà, et là mon nœud il va retenir mon stop et il va pêcher à la profondeur que j'ai envie. Ça. Tu nous dis hein, si tu veux qu'on enlève une canne ou quoi? C'est pas énorme, mais c'est pas tout petit. Mon premier poisson de la journée, Alexis. Fais attention à ma canne. Oh, le détecteur, les gars. Putain, j'ai pas envie qu'il se mette sur ses coups là. T'inquiète, ça va pas casser. C'est pas si petit que ça, peut-être? C'est pas gros. Sinon, il ramènerait pas. C'est pas petit non plus, mais ça fait un 80. Prépare. T'as une gang, Alexis? Attends, il va se mettre dans le. Il faudrait que j'enlève celle-là. Il est là. Attends, je vais enlever ça. Attendez, il y a le bouchon. Ah ouais, allez, retire celle-là. Attendez, il y a des troncs là, j'ai peur. Il est pas. Il est petit. Oh, ça va. Attends, il ramène un autre. Il sort là. Attention, les gars. Du coup, tu vas recaler ça? Bah non. Bah y'a pas de vif. Tu filmes chez lui? Ouais. Oh putain, t'as besoin de lui. Ok. Là il est dans le fond là. Hein. Il est au-dessus? Tu veux de la loupe ou hein pas? Ça ira. Ah j'ai mal au bras. Prends un gang Antoine. Ou alors tiens, filme. Filme et moi je l'attrape. Non, c'est bon, je l'attrape si tu veux. C'est bon, arrêtez de filmer, au pire des cas, on fait un montage. Filme un peu, c'est là, le coin de combat. Mais... Oh, c'est un bébé, mais... On veut sortir de là-bas, si tu tapes un gros, mon pote.
Ouais. Bon, c'est pas un bébé, il fait un 65, un 70. Ah ouais? Ouais. C'est parce que là, il est dans l'eau. Il est beau quand même. Il a serré là, ça m'a tué. C'est un joli combat, hein. Ouais, ouais. Tu m'étonnes, mon gars. Bon, ça y est, hein. On va relâcher le bébé en espérant qu'il y en ait d'autres. Allez, mon petit gars. Ouais, ouais. Tu peux partir, hein. Il part du mauvais côté, il va me foncer dedans, il va me mordre. Et il est là. Donc, il fait demi-tour. Il est là-bas. Ça y est, il est parti. De la dernière fois sur l'ancien spot. Là du coup on change carrément de rivière. Pour ça on a fait quelques jolis vifs, je vais vous les montrer. Hop, tu peux m'aider? Là, on a des grosses plaquettes du coup. Et deux petites cartes. On verra bien ce que ça donne, on va rester encore une petite demi-heure. Et après, bon, on se retrouvera directement au Cassin. Donc voilà, nous revoilà après la session vif que l'on a fait chez Cyril. Donc on a réussi à s'en sortir avec quelques carassins qu'on a allé caler là. Là, il est 8h30 du matin, donc le soleil va se lever, enfin il est déjà là, mais bon, il n'éclaire pas encore le spot. Donc là, on a calé 6 cassins, il y a déjà un carassin qui est parti, malheureusement, il ne s'est pas fait piquer. Donc on l'a reposé là, donc on a ça nous donne quand même l'espoir de faire un poisson, voilà, il repêche. Et qu'est-ce que je voulais dire, voilà, c'est un spot qu'on a choisi parce que Cyril était allé faire du repérage dans la semaine. Ouais, c'est la découverte. Hein. Sur un nouveau fleuve, donc c'est vraiment un spot qu'on n'a jamais pêché, on ne connaît pas du tout, donc c'est quand même prometteur de faire un premier départ en seulement 30-35 minutes de pêche, c'est sympa, parce qu'on a dû caler à 8 heures, à peu près toutes les cannes étaient posées. Ouais. Et du coup, voilà, un spot avec qu'on a sondé avec des zones qui varient entre 5,50 m et 2,50 m de profondeur. Donc on a essayé de caler des cassins qui pêchent tous à peu près entre deux eaux. Une moyenne de 4 mètres à peu près. Ouais, une moyenne de 4 mètres sur le spot. Donc voilà, que des cassins bouchons, un surface, on va essayer. Voir les eaux commencent à se réchauffer. Donc, le premier de la saison. Ouais, c'est ça, le premier cassin en surface de la saison, donc ça peut être prometteur. Donc on verra bien. Voilà, on espère faire du poisson et. Et un joli poisson si possible. Fais gaffe, tu vas être sous l'autre cassin. T'as vu le piqué combien il a été tordu? Là je le détends, il peut pas venir le chien. Mais va sur lui. Hein. Va là-bas. Parce que là tu risques de le. C'est pas grave, je vais venir avec. Mais là tu risques de le tanker, c'est pour ça que je te dis d'aller vers lui. Thank you.
T'as vu frère, dès que tu cales gros, ils pètent direct les gros frère. Ils ont choisi. Mmh. Mal le dos. Ah il puis là j'ai la canne dans les couilles là. Demain kiné. Demain. T'as les gants? Ouais ouais. Tête de 40 hein. Je sais pas. C'est pas le même combat que sur l'autre. Faire la tête. Ça fait de 40 ça. Oui ils y sont. Oh il y a des frères, il y a un œuf là. Ah voilà, il y a un monstre. Incroyable. Peut-être 2,50 hein, je sais pas. C'est bien piqué. Oui. Oui, il est bon. Il est long et large. Allez ta mère. Ouais. Fais gaffe, hein. Allez. En fait, faut que je passe là. Mais Jérôme, tu voulais voir un 2 mètres. Ouais. Ouais. Je l'ai dit, un plus sec. Tu pars pas? Ne bouge, je pars pas. T'es content, hein? Bon ben ça y est, on va relâcher le beau bébé. Hein. Hop, lâche-moi la main. Ah, il est mort. Aïe. Allez, il va repartir doucement. Bon, il est en forme. Hein. C'est un beau poisson. Et voilà, super. Hein, pour, on est en fin de semaine, là, c'est ça? Fin de semaine. On a mangé quand même deux beaux capots durant les sessions. Et on est récompensé. Bon ben voilà, après une semaine avoir fait beaucoup de petits poissons, je suis en train de commencer avec ce beau péteur. Une robe magnifique, une belle taille, bien grand. Je suis trop pour tirer mieux. Beaucoup de décroches pour moi cette semaine, malheureusement. Donc on a pas mal râlé. Ouais c'est vrai. Du coup, voilà, il tombe au bon moment, il fait bien plaisir. Des décroches sur des gros poissons en plus, ouais, donc voilà. C'est ça. Là il peut faire que plaisir. Ça y est, il vient solder une session difficile mais qui fait du bien. Bon bah on va pouvoir le relâcher, ça y est. Ah ouais, il a une grosse tête, il est, franchement il est magnifique. Hein. C'est un poisson en pleine forme, il est super. Ouais. Allez. Hop, il repart tranquillement. Super. Oh. Oh si si, il fait un 80 je pense. C'est la merde là. Tu dis... Non non. Mais t'as... Bah attends. Je vais aller se laver. Je me dis pas merde. Il s'est fait des... Le gant il est où? Putain, il est dans la voiture. Fais gaffe Cyril, tu tapes l'autre canne. Tu veux pas mouliner de l'autre côté? Putain, il te démonte hein. T'as mal au dos ou pas? Non, mais... Vas-y, fais gaffe, fais gaffe. Il a la houlot, je lui dis quoi. Il tient le truc, là. Vas-y, t'inquiète, je filme. Oh, mais il est joli. Ah si, ouais, il fait un 80. Putain, il t'a mis un sale départ, hein. Oh putain, vas-y, attends, je vais laisser camper. Tire-le un peu. Oh quoi! Oh là il t'a démonté là! Ah ouais, je vais partir à l'eau! Enculé mec! Oh, oh Alexis! Oh, allez! Il a loupé un truc! Hein. Enculé, il te démonte! Ah, quand elle arrive au port, faut décéder! Ah ouais, qu'il est énorme en vrai! Oh!
Oula, l'autre elle bouge par contre. Pourquoi il est joli en fait? Ouais, je pense qu'il est plus d'un 80. Ah oui. Plus d'un 80. Ah ouais, merde. Et je faillis tomber à l'eau, et j'avais le frais. Ouais, mec, laisse tomber. Mon maître, il est où? Un 90 là, tu dis? Ouais. Mon maître, il est dans ma boîte, Alexis. Oui. Putain, il est storm. Hein. Mec, c'est quoi ça? J'avoue, arrête, je m'ouvre un minute. Vas-y. Bah, je pose la canne. Hein. Attends, j'ai pas fait un niveau. T'as une chance ou quoi? Et tire d'un coup, quoi. Voilà, on va relâcher le beau poisson de Cyril. Il a un beau poisson bien nerveux. Ah oui, celui-là, il était nerveux. 1,94, un beau poisson. Allez. Un super combat. Ça fait plaisir. Hop, on repart. Nettoie-le un peu, prends le temps, parce qu'il y a quand même de la boue, même si c'est mouillé. Hop là. Voilà. Là, t'es tout propre, t'es tout beau. Tu vas pouvoir repartir. Attention, mec. Voilà. Ne mange pas la bouiche. Hein. Il repart doux, tout doux. C'est bon. Se laisse glisser. Ça y est. Il est parti. Nickel, bravo mec. Nickel. Voilà les gars, beau bébé. 2m35, c'est ça? Oui. Très gras. Un combat d'anthologie, franchement. J'ai combattu les poissons plus gros, mais celui-ci. Bien énergique. Ah ouais, c'était incroyable. J'ai vraiment eu mal au dos. J'ai eu peur même, je me suis fait peur en vrai. Sur un sol bien glissant. Ouais, sur un sol bien glissant, c'était vraiment sympa. C'est pour l'instant le combat de ma vie. Il est vraiment incroyable. Une super robe. Donc voilà, on va laisser repartir doucement dans son milieu. Allez, allez gros pépère. Allez, repas. Hop, lâche-moi. Voilà. Il va mettre un peu de temps, il est un peu fatigué. De toute façon, tous les silures comme ça, il va se caler devant, là, je pense, à un moment. Oui. Hop, ça y est, il part. Regarde. Attention, moi, si ça fait pas 2 vins, c'est petit. Ah, c'est un petit poisson. Oh non. Mais frère, il est pas petit. Je sais pas. Oh. Il a reconnu, non? Je sais pas. Je filme jusqu'au bord. Parce qu'il faudrait que je mette le wader et tout, mec. Voilà, ouais. Dernier beau bébé de la session. Donc voilà. Il est très maigre. Comparé à l'autre qui était très gras, très musclé, qui m'a fait un combat de fou, bah celui-ci il est un peu déformé. Maigre de malformation. Il est anorexique un petit peu, il lui manquait des moustaches. La mâchoire là un petit peu avec une bosse. Et on touche un peu les os quoi. Enfin, il est un peu mal en point. Donc un petit combat pour un poisson de cette taille là, de 17. Mmh. 2m17. Gros pectoral pour lui. Gros pectoral, oui, ça c'est. Il se trompe là, ouais, c'est vrai que. Mais voilà, un poisson qui fait un combat très très moyen au vu de sa taille quoi. On s'attend à mieux quand on touche des poissons comme ça. Après ça fait toujours plaisir, c'est un poisson quoi. Avec une session à 6 départs, malheureusement Cyril qui décroche un très gros, je pense que beaucoup plus gros que mon gros que j'ai fait. Donc je pense un poisson à 2,40, 2,50, sans exagérer franchement. C'était un beau fish.
Voilà, donc 6 départs, 3 poissons au sec. Voilà, donc 2 pour moi, 1 pour Cyril, qui n'a pas été trop chanceux, qui en dépique 2. C'est ça hein? Ouais. Des piques 2, dont 1 au bord, le gros. Et un où ça s'est pas piqué sur le départ. Et voilà, bon, allez, on remet le bébé à l'eau. Allez, viens là. Ok. Arrange-le un peu là sur le côté. Il m'est mort. Ah, il met même la mâchoire, hein, elle est tordue un peu. Hop, on le nettoie un peu. Ne mord pas, s'il te plaît, je te nettoie. Allez. Oh, une jolie robe, hein. Une jolie robe aussi, quand même. Ouais, une jolie robe. C'est juste dommage qu'il soit un peu maigre. Mais bon, c'est un beau poisson. Allez, c'est parti, il repart. Nickel.